Bonjour tout le monde, bonsoir, bienvenue à ce match de Ligue des Maîtres. Cette semaine, on affronte Simon, un nouveau dans la Ligue. Simon, sa team, c'est Chiyu, Sinistra, Indeedee Femelle, Arma Rouge, Great Tusk, Arbok, puis après ça, je pense que c'est les quatre bébés, là, Corphish, qu'on a vu la semaine passée, puis les trois autres que j'oublie. Mais ouais. Première chose que j'ai remarqué, Terra Dark contre son équipe, c'est quand même bien. En général, les Dark. Voilà. Donc ici, on a Gyarados qui va être potentiellement le MVP de la semaine si tout va bien. Intimidate pour le Great Tusk, sinon les Hustle Death avec Terra Dark pour Wall le Chiyo comme faux. On a Waterfall, Crunch. Ice Fang pour du coverage, mais au vrai, juste Waterfall Crunch, c'est suffisant. Puis Icy Wind parce que vu qu'on a Assault Vest, ça prend la quatrième attaque. Puis j'avais rien de mieux à mettre, fait qu'on va y aller avec Icy Wind pour peut-être avoir du speed control. Mais ouais. En compagnie de Gyarados, on a Skuntank ici, qui est Focus Sash, Max Attack, Max Speed. On a Snarl pour le Chiyu, Indeedee, Arma Rouge et Sinistra. Knockoff parce que c'est très bon pour son équipe. Puis on attend pour prévenir les Tukulun, les Rage Powder, Follow Me, etc. Et Terra Fairy, Play Rough parce que pour avoir une attaque super efficace contre le Great Tusk qu'on a besoin. Ensuite, ici, on a Scream Tail qui est juste assez de speed pour dépasser Chiyo. Avec le Booster Speed, on est assuré de dépasser même un Chiyo Scarf. Donc on a Howl pour accompagner nos multiples Physical Attackers. Sinon, on a Light Screen pour le réduire de dommage de ses Special Attackers. On a Play Rough comme attaque. Puis Rock Tomb pour du Speed Control, essentiellement là, contre le Chiyu. Si je vois qu'il est Scarf, ben, je peux Rock Tomb pour comme, venir annuler son Scarf. Puis Tier Ledge, Terra Dark avec Flash Fire. Encore une fois, là, c'est pour Wall Chiyu comme faux. Puis ça Wall aussi Indeedee, Arma Rouge. Sinistra également. On a Safety Goggles pour ignorer les Rage Powder avec Beetle Blade, Poltergeist et Close Combat pour le Chiyu. Ensuite, on a Iron Threads, Acid Speed pour dépasser le Chiyu. On est Soft Sand parce que je peux pas mettre le Booster puis je peux pas mettre le Sash. Fait qu'on était rendu là. On était rendu au Soft Sand. Bulldoze pour le Speed Control. À côté de Gyarados, ça peut être très 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 intéressant vu qu'on est immunisé au ground. On a Iris Power. Et Ice Spinner pour Sinistra, mais aussi pour enlever le terrain psychique. Puis, on a Raging Bolt, enfin, qui est Life Orb. Thunderbolt, Dragon Pulse et Terra Blast avec le Terra Fairy pour se donner une résistance à Chiyu. Puis aussi avoir un attaque super efficace là, contre le Great Tusk. On a pas Thunderclap à cause du terrain. Et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre la vidéo en pause, là, puis revenir quand on va être en ligne. Avec Simon. Ok, fait qu'on est back avec Simon. Simon qui est en live présentement. Okay. Bon match à tous, Simon. Bon match à tous à la maison. Ok, fait que Corphish is back. Ok, sûrement Endeavor Sash. Comme il a tenté de faire la semaine passée. Aqua Jet, sûrement pour le. Weak armor, machin, armor rouge. Ok. Si on a encore Scarf Chiyu, peut-être Psychic Seed, Indeedee, Booster, Great Tusk, puis. Ok. Je vais y aller comme ça, je pense. Ouais. Un bac, gardez-lui. Puis lui, ça peut être bien.
Ok, on va y aller comme ça. Fait que, bon match, Simon. Sinistra, Corphish. Il n'est pas Hyper Cutter, il est sûrement adaptabilité. J'ai le choix ici de Taunt si je pense qu'il va Terra pour résister au Dark. Il pourrait être Mantler aussi, et je vais pas avoir de chance de doubler dedans. Je vais essayer de pas attaquer Corphish pour pas me faire Endeavor. Ok. Kawhi Great Toss, c'est un bon switch de sa part. Et c'est un booster attaque. Qu'est-ce qu'il va faire le petit crabe? Endeavor. Ok, bon, il va briser le sash. Bon, puis je vais sac de Skuntank. C'est bon. Ok, fait que pas de terrain. Wow, là, il... Waterfall l'a tué. Excusez pour ça, là, mais Captain Car l'a bugué. Chill. Ok, là, c'est là que ça devient tannant. Comme ça, un snarl s'il me laisse en vie. Je sais que c'est Sinistra en back, il a perdu Great Tusk. Nice, avec la Soul Vest et Terra Dark, ça fait rien. Il devrait mourir du Waterfall encore. Guillotine, oh. Ok. Hospitalité, le petit crabe revient en vie. Rien de même. Me débarrasser du crabe avant qu'il guillotine un de mes Pokémon. Terra. Water, ok, bon. Je pense pas qu'il y ait le crunch, là, surtout s'il n'y a pas Heavy Light. Il n'y a pas d'adaptabilité non plus parce que ça fait fuck all en termes de dégâts. Mental Block, c'est ça. J'ai bien fait pas tant.
Tintin qui meurt. Des cours qui vivent pour le différentiel, mais bon, rendu là, c'est pas grave. Je montrerai pas Booster Speed tout de suite, je vais garder ça pour plus tard. Puis Ice Spinner aussi, je peux garder l'info dans la poche, je vais aller comme ça. GG. On va voir ce qui va amener en game 2. Ouais, Gyarados, c'est un gros problème pour lui. Je pense que je vais y aller avec Screamtail, cette game-là. Juste pour Rockton, le Chiyu. Corphish, à part les guillotines, là. C'est pas grand-chose, là. Même Terra. Terra Water Aqua Jet, ça fait rien. Fait que pour moi, il n'y a pas d'adaptabilité. Ça, ça va être plus mal que ça. C'est Village en dernier. Je vais aller comme ça. C'est le late Gretos qui se mange un Intimidate. Ouais, à sa place, je sais pas c'est quoi le Terra sur Gretos, mais à sa place. Ça va être un bon moment de le Terra, le tour qui est mort. Ok. Je vais read mon Terra Dark puis faire. Heat Wave. C'est ça, ok. C'est ça la fin. Je pense que j'ai une light screen. Puis, Icy Wind au début, juste pour avoir le speed control autour de près. Ça, s'il est Scarf, s'il fait Follow Me, je m'assure du drop de speed si je connais. Ouais, exact. Ouais, bon, fait que j'ai bien fait de côté là. Fait que je vais Howl. Et. Crunch va être un peu plus fort. Quoique, il pourrait switch. Je vais Waterfall. On va faire un peu de Tulane Lily tout de suite, là, avec le Light Screen. Et Switch Charge to You, ça me va. Indigo. Ah, Fairy. Ok, bon, j'ai bien fait de Waterfall. Ok,
Green, je suis désolé pour ça. Je vais te les Rough, NDD, Waterfall, Arma Rouge. Avec le Light Screen, même s'il veut expander une force, je pense pas que j'ai besoin de Terra. Ben ouais. Sur NDD, ok. On va manger un plus simple et rough sur Chiyu. C'est simplement mon affaire. Oh, Destiny Bond, ok. Bon ben, je vais perdre mon Gyarados. Ok. GG pour ça. Mais ouais. On va y aller, lui. Ok. Oh, j'ai encore deux tours de Light Screen. Ok. Je vais play rough. Comme ça, s'il fait pas le... S'il fait pas Rage Potter, je vais pouvoir le tuer avec Scream Tail. Mais ouais, bon, j'ai les goggles sur Soul Edge, fait. Et ça fait rien que le Light Screen. Je pense qu'on va. Ok. Ça va assez bien. Play Rough NDD. Je vais switch out ici pour mon drop de Spedef. Cool. Si le match à gacha, ça prend pas grand chose. Se prendre la vie, burn, tanner, mais pas la fin du monde. Ok, bon. C'est le light screen, je vais ice spinner. S'en sortir. Crit, c'est très 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 fâchant et talent. Il va juste récupérer de la vie, ça étire la game.
va essayer d'aller pour le différentiel, là. Je sais que c'est. Je sais que c'est. Que je gagne anyway, mais je vais quand même aller pour le différentiel. Okay. Les 10%, il y en a eu deux. Ok. Plus 2, on va faire celle de Burn, mais de Blade, on va récupérer de la vie. Ok. Et puis on tient le burn, génial. Owl, Middle Blade. Puis ça devrait être GG. Cool. GG Simon, grosse game. Ouais, moi j'avais un excellent match-up avec toutes les Terra Dark puis Screamtail. Néanmoins, grosse game. Fait que sur ce à tous, bonne soirée et à la prochaine.